Et bien salutations les lémures, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. Et encore une fois on est bloqué avec l'habitat, mais là on a un petit message radio qui se fait attendre depuis un petit bout de temps. Donc on va aller écouter ça et peut-être que ça nous mettra sur la voie pour trouver ce qui nous manque. Donc on va écouter ça tout de suite. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ok, donc nouvelle capsule qui s'est crashée et tout. Donc il y a pas mal de radiation dans les environs. Alors j'espère que ça va aller. On va aller voir ça. Donc ça, on va peut-être éviter de réécouter. Données téléchargées, code et indice. Hop là. On a reçu, mais l'équipage sollicitait une assistance pour naviguer à travers les radiations. Accoulé approximativement à 100 mètres, localisé dans une zone de dense en herbe rouge, à proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et d'amas de roches. Origine de la transmission à 400 mètres. À l'ouest-nord-ouest de la dernière position connue de la capsule de survie 4. Ok, on va aller voir ça. Ça, on s'en occupera un peu plus tard. Ok, donc on va fermer ça. Niveau santé. Est-ce que j'ai de quoi survivre? Ah, faudrait que je me fasse le chargeur de piles là. Pour essayer d'aller voir ça, on va essayer de se fabriquer. On va essayer de se fabriquer, attendez, ouais c'est dehors. Faut qu'on aille voir ça. Ok, quand t'auras fini de bouger, tu me le dis. Ouais, je veux escalader. Hop. Alors, véhicule. Batterie haute capacité, deux verres, du plomb et du lubrifiant. Ok, donc normalement j'ai tout ce qu'il faut. Donc. Hop. J'avais fabriqué une grosse pile. Ma grosse batterie, elle est où? Alors déjà, je peux prendre un lubrifiant, un plomb. Ça, c'est des batteries. Alors peut-être qu'elle est stockée dehors. Je vais aller checker mes coffres. Ok, c'est le pachyderme aquatique qui fait du bruit. Alors je vais aller voir mes petits coffres. Là, il n'y a pas. Ah, et là, il y a mon verre. Il faut deux verres. Ok, comme ça, je vais mettre mon soufre. Là, il y a que des œufs. Là, c'est des graines. Ok. Là, il n'y a pas non plus. Il me semblait l'avoir fabriqué. Alors j'ai checké tous mes coffres. Je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être que je m'en suis servi pour autre chose. Alors, je vais revérifier, hein, c'est pas là. Là j'ai juste l'extincteur. Je peux peut-être déplacer mes piles usagées. Là, je vais me stocker ça. Pour me faire de l'eau. Faut de la javel pour faire la javel. Ok, alors est-ce que j'en ai là? Parce que si on voyage loin, non, faut que j'aille en chercher dehors. Ouais. Je crois que j'en ai d'autres là. Voilà. Je vais voir si j'en ai pas dans les autres. Ce qu'il faut pour faire la
la pile aussi. Je vais me faire de la javel. Comme ça maintenant je peux me faire de... Voilà. On va refaire deux autres. Ça c'est fait. Là, je peux toujours faire mon titane, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il faut deux piles et du caoutchouc. Deux piles et du caoutchouc. Alors j'espère que... je sais pas si je peux utiliser mes piles usagées. Je vais prendre ça. Et ça. Et ça. Hop. Ça peut me la recharger directement, c'est cool. Ouais, 100% nickel, j'ai recyclé mes deux vieilles piles. C'est parfait. Là, je crois que j'ai tous les composants sur moi. Hein. Par contre, je vais peut-être me laisser... Alors, déjà, ça, je vais la consommer. Hop. Je vais m'en laisser une ici. Je vais me laisser ça là, j'en aurai pas besoin. Voilà, on va faire le tour. Comme ça, si en plus le jour peut passer, ce sera pas plus mal, on ira en plein jour. Donc là, je peux me faire mon petit bébé. The Seamoth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Ouais, faut quand même penser à manger. Donc pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire. Ok, c'est cool. Donc je vais descendre là. Ok, on va en profiter pour sauvegarder. Voilà. On va essayer de choper quelques poissons avant d'y aller pour se faire à manger. Ah non, ça c'est le truc qui aveugle. Ça va me manger si je fais pas gaffe. Ça, je peux pas le prendre. Il y a pas notre petit poisson là dans le coin. Laisse-moi te cliquer dessus. On va essayer de choper celui-là. Se faire à manger. J'espère que le fait que ce soit allumé, ça me consomme pas la batterie de mon Seamoth là. On va se dépêcher. Yes, c'est parti. Il est bon. Enfin, celui-là, je crois que j'en ai deux. Là, même 3, nickel. Alors, je vais déjà en manger 2 maintenant. Ok, donc consommer. Voilà, comme ça on est plutôt bien. 5, ça, 3, ok. Le tube, tout ça, on n'a pas besoin. Ça, c'est toujours pour faire mon titane. Ok, là, ça, on s'en fiche. On va aller voir ça maintenant. Ah, il est beau. Bon, je le garderai pas aussi loin, mais. Welcome aboard, Captain. Ok, super. Vous auriez dû me le mettre encore plus près de corail. La balise.
Ok, donc on, a priori en haut, là on est à 4 mètres. Je pense que le 200, c'est qu'on peut pas dépasser les 200 mètres. Ça, c'est la balise numéro 17. Capsule, mais alors elle est où la 6? Je sais pas pourquoi ça a été désactivé. The sea moth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates ouais, attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request la immediate assistance. 100 mètres. Six out. Ok. Et c'est à 400 mètres à l'ouest-nord-ouest de la dernière position connue par la capsule. Alors ouais, mais moi j'ai pas de boussole. Ah, je crois pas avoir de boussole. Hein. Je sais pas si on peut continuer. Alors, si ça se trouve, j'ai peut-être pas le plan. Ah, si, il y a une boussole. Il me faut un kit de câblage. Un kit de câblage et du cuivre. Ok, kit de câblage. Il faut de l'or et un circuit intégré. Alors, on va commencer par le circuit intégré. Il faut de l'or, du cuivre. Et de l'échantillon de corail. Bon, ça j'ai, mais alors par contre l'or, il m'en faudra limite 3. Ok, bon j'en ai 3. Faut que j'aille chercher le corail dehors par contre. Alors maintenant, je vais essayer de trouver. Après je réorganise mes coffres. Voilà, j'en prends 2. Normalement du fil de cuve j'en ai à l'intérieur. Quelle organisation hein, je me dirais. On va essayer de se faire ça rapidos. On va commencer par là. Le circuit intégré, merci bien. Voilà. Un kit de câblage, kit de réparage. Il faut un kit de câblage, il me faut de l'argent super. Hop là. On prend, on fait ça. Un kit de câblage. Voilà maintenant. Ah, ça me fait un kit de câblage. Faudrait que je fasse pas de bêtises. Il faut un kit de câblage. Je l'ai et il me refaut du cuivre. Ok. Ok, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Alors je vais me faire une boussole. Je vais faire la boulette hein, de m'agrandir le kit de câblage amélioré là. Ouais, si j'avais fait le kit de câblage avancé, j'aurais été un peu dans le caca. Donc au final, je peux ranger mon or. Ce qui est pas plus mal parce que ça se trouve pas aussi aisément. Là, j'ai mon circuit intégré. Ouais, mais en fait, je l'ai fait pour rien. Bah, ça m'en fera un pour au cas où, mais. Ah ouais, c'était, je me suis trompé en fait. Je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, j'ai pas fait gaffe au-dessus. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai de quoi le faire pour si jamais j'ai besoin. Donc la boussole, est-ce qu'elle s'équipe? Ok, cool. Je peux l'équiper comme ça, ok. Affiche les points cardinaux. Ok, cool, cool, cool. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre à côté? Je sais pas. Je sais pas quelle est la chose qu'on pourrait fixer à côté. Je sais pas du tout. En tout cas, on verra ça plus tard. J'ai déjà ma boussole. Là, c'est au nord-nord-ouest. Là, pam pam pam. Mon simote, il est où? Ok, il est là. Qu'il est beau. Faudrait que je prenne une petite photo après. Où est-ce que ma boussole s'affiche? Ah ouais, au-dessus.
Donc c'était nord. Non, c'était ouest. Ouest. Ouest, nord-ouest. Que je fasse pas de bêtises et que j'aille pas là où il faut pas. Donc c'est ouest, nord-ouest. Ok, donc là j'ai l'ouest. Là j'ai nord-ouest. Donc ouest, nord-ouest, ce serait par là. Parce que si je vais par ici, c'est nord, nord-ouest. Donc c'est par là. Elle va couler à environ 100 mètres. Et à 400 mètres de ma position. Je suis à combien là? On y est bientôt. Par contre, là, je remonte. Hop. Là on est à combien? 417 mètres. Donc elle aurait coulé par là. Ça c'est corail. De mètres. Ok. Là je prends ouest nord-ouest. Donc elle aurait coulé par là. Voilà, je vais m'arrêter par ici. Et puis ben, on va descendre. Hein. On va bien voir, là il y a des caisses. Scanner. Ok, donc ça se trouve c'était des fragments de. Absorption d'eau. Alors déjà regarde. Ah, on est passé en négatif. Vital signs stabilizing. Simote il est là. Je suis à combien? Il est à 60 mètres. Faut que je descende encore. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. J'étais descendu un peu trop bas. Ah, je vois pas de capsule. Hein. 30 seconds. Ouais, là, je remonte. Ok, alors, tant qu'on est là, on va en profiter. Un machin, ça coule approximativement à 100 mètres. Donc ça peut être plus ou moins localisé dans une dense... Dans une zone dense en herbe rouge. Alors déjà, moi, l'herbe là, elle est pas rouge. À proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et d'amas de roches. Origine de la transmission à environ 400 mètres à l'ouest-nord-ouest de la position connue de la capsule 4. Ah, faut que je parte de la capsule 4. Ok, faut que j'aille à la capsule 4. J'ai lu la moitié des infos. Ok, donc la capsule 4. Ah mais je l'ai pas moi la capsule 4. Là j'ai la 3 et la 17. Comment ils veulent que je trouve? Welcome aboard, Captain. Mais ouais, j'ai
c'est la 17. Alors est-ce que la 4 c'est la mienne? Non. Je vais aller voir le numéro de ma carte. Parce que là il y a un problème. Hein. Ouais, moi je suis à capsule numéro 5. À part le bout de rocher là. Là il y a capsule 17. Là il y a la capsule 3. Putain, ils sont sérieux quoi. De la capsule de survie. Position connue de la capsule 4. Je l'ai pas la capsule 4. Est-ce qu'ils me donneraient eux des infos? Code et indice, mais là, je peux rien en faire. Un machin, machin, machin. Et puis on voit rien là. C'est dommage qu'on n'ait pas des jumelles. Ça, c'est un bout de corail. Puis là, il y a le nuage qui gêne. Écoutez, on va essayer d'aller voir vers le nuage. On est à la recherche d'un trésor là, c'est à... Alors faut que je trouve des arbres rouges. Il y a un truc là-bas, c'est quoi? Voilà, c'est tout sauf des arbres rouges, mais j'avais cru voir un truc. C'est éclairé là. Alors là il y a le nuage. C'est pas ça, c'est la surface là. Je vois rien. Hein. S'il m'avait envoyé déjà un message pour la capsule 4, ça l'aurait fait. Hein. Alors je vais essayer de remonter au maximum. Sortir, je sais pas si je peux l'escalader. La poule. Ah, il y a une montagne. Ah, c'est une blague, il y a une montagne. Je crois que c'était une île aquatique. À la base 17. Échoué par un système de grottes et subit des attaques. Là, l'équipage est indiqué que leur sea glide est endommagé. Ok. Alors, on pourrait peut-être aller vers la grotte. Hein. Enfin, pas la grotte, mais... vers cette île. Là, il n'y a rien. Hein. Ce qui est marrant, c'est que je les prends dehors de l'eau, mais je suis en train de nager. Ouais, on va essayer d'aller vers l'île pour voir ce qui s'y cache. Et puis, si on arrive à prendre de la hauteur, peut-être qu'on verra quelque chose. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis pas forcément loin de... Ouais, bon, je suis à 651 mètres. On n'arrive même pas à cette distance à voir la montagne, alors pourtant qu'elle est vachement grande. C'est quand même assez assez space. 4. Je vais quand même voir s'il n'y a pas quelque chose dans le coin.
tant que je suis là. Là, il y a des caisses. Donc, on va aller voir. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, bon, bah, c'est sûrement pour le site. Véhicule mobile, ça aussi. Et on dirait des toilettes. Vital signs stabilizing. C'est quoi ça? C'est des yeux ou... Non, c'est pas des yeux. Ça m'a fait peur. Attends, je vais essayer d'aller en voir un là, ce sera peut-être moins dangereux. Je vais essayer de scanner ça là. On dirait des grosses méduses. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Je suis désolé, je vais te taper. Ça fait rien. Ah, par contre, je me fais attaquer. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais. Déjà, je vais me sauver. J'ai pas de soin. C'est chaud, j'ai pas de soin. Mais par contre, je suis blindé de titane. Non, mon père, il est par là. Ah, je suis toujours à la recherche de mes herbes rouges. Hein. Là, ça a dégagé, il n'y a pas un truc. Qu'est-ce que j'ai tapé? J'explore un peu. Hein. Maintenant que j'ai mon petit vaisseau, hein. Là, ça m'assure pas le brouillard. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est la baleine flottante. Ok. Une espèce de complexe martien. Enfin, je dis martien, c'est plus alien vu qu'on n'est pas sur Mars, mais. Oula. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Alors j'espère qu'il n'y a pas de créatures hostiles, pardon, parce que sinon je vais être dans le caca. Alors je vais sortir mon scanner. J'ai entendu du bruit. Inventaire plein. Bon, c'est pas ça que je veux, c'est mon scanner. Ces plantes là, on peut pas les scanner. Je vais éviter de m'approcher de ça pour le moment. Ça se tape ça. Ouais, ça fait rien. Bon, là il y a des... Là, ou là.
Ouais, bah je vais pas aller par là pour le moment, je sais pas ce que c'est. C'est un père très amical, j'ai plus beaucoup de vie. Par contre, pas de papillon ou espèce d'oiseau, j'aurais bien voulu le scanner. Ah, c'est marrant de plus être dans l'eau. Par là, là. Je peux plus te scanner. On n'aurait pas un autre dans le coin. Vas-y, reviens s'il te plaît. Oh l'oiseau. Ah c'est cool d'avoir la boussole maintenant. Mais bon, ça me sert à rien. Ah oui, non. Non, il est repassé. C'est une blague. Même pas si on peut les choper. On va essayer d'en trouver un autre plus bas là. Ah, avec le scan, ça donne quoi pour le moment? Je suis toujours malade. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Ok. Il est passé où là? J'espère que ça va pas dans l'eau ça. Bon, a priori ça y va mais je sais pas si ça a supporté le choc. Je vais finir de scanner un papillon là. Ouais. Il y en a plein en hauteur. Pire, faudrait que j'arrive à prendre un peu de hauteur. On va essayer d'aller par là. Tant pis pour l'oiseau. Je sais pas si là je peux monter. Ouais, ça me saoule un peu d'en jeter. Ah puis alors si j'en mange un. Ouais, moins 17. Voilà, je peux même pas. Ça je vais le déposer. Le pire, je vais récupérer mon sel. Il va falloir que je rentre à la base et que je me refasse de l'eau. Là c'est marrant les poissons qui sortent hors de l'eau là. Je peux pas les attraper. Là je vais me faire des barres de titane. Bon, là, ou au pire je vais faire un tube. Là, je vais me faire des tubes en construction là mais... Là, je peux pas scanner ça. Il me place pas les bêtes. Bon ça je peux pas le scanner. Là il y aura un petit chemin a priori. On va trouver une tablette. Bon on regardera plus tard à quoi ça correspond. Alors pour le moment ça aussi je veux pas y aller. Ça me plaît pas trop. Là, il y a mon vaisseau. Je fais tout le tour de l'île. C'est bizarre leur position. Là, a priori, il y a un chemin pour remonter encore un peu plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là.
Moi, je vais retourner à la base, me soigner et me nourrir. Et puis, on se retrouvera prochainement pour finir de découvrir cette île et essayer de trouver la capsule numéro 4. Donc, il faut qu'on trouve la capsule numéro 4 qui nous amènera à la capsule numéro 6. Et si en chemin de retour je trouve, eh ben, je vous fais signe. Là, je vais essayer de courir. J'espère que derrière, je ne me fais pas poursuivre. Non. Donc voilà, bah, écoutez, je vais sauvegarder une fois que je serai retourné dans mon bateau. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. À plus. Welcome aboard, Captain.